Mesdames et messieurs, bonjour à tous, ici Chita, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouvel épisode sur SOTF. Oui, on a beaucoup d'épisodes sur ce mode de jeu actuellement, et attention à ne pas confondre, il s'agit du SOTF originel, ok, celui où il y a du tame, du farm, du craft, etc., etc., pas le nouveau qui est sorti depuis peu. Ici, on a improvisé une game où c'était une game full solo. On était en train d'attendre une maintenance sur un autre jeu. Du coup, on a improvisé. Il y a quelques personnes qui sont venues. Du coup, ça nous a permis de lancer une partie du coup en full solo pour le coup. Et je vous la mets parce qu'elle était quand même très sympa. J'ai voulu partir sur une strat et j'ai été un petit peu ambitieux. Et vous allez voir qu'à la fin, j'arrive un petit peu avec ma bite et mon couteau. Excusez-moi l'expression. Et malgré ça, vous allez voir, je vous spoil pas, mais la fin, évidemment, vous avez vu dans le titre, était cool. Et on a réussi à se débrouiller avec ce qu'on avait. Donc, j'espère que l'épisode va vous plaire. Je vous rappelle, Battle Royale sur Arc, il y a du craft, il y a du tame, il y a plein de choses à faire, SOTF, renseignez-vous, c'est pas le nouveau, c'est l'ancien. Dans tous les cas, j'espère que l'épisode va vous plaire, je vous dis à la prochaine, c'était Chita, enjoy, ciao. On fait une strat dimorphodon. Le problème de strat dimorphodon, pour les paramètres qu'on a mis là, c'est compliqué, parce que strat dimorphodon, normalement, il faut que pendant la strat, tu kills un ou deux mecs pour prendre de l'XP pour des dimorphodons. Là, je vais les faire pex comment, mais dimorphodons, c'est bon. En vrai, ça me chauffe de fou, mais du coup, je vais avoir des dimorphodons tout poubelle qui vont prendre une flèche. Non, je pense que c'est pas viable. Stradimorphodon, je l'aurais fait s'il n'y avait pas la règle du on se PVP pas avant la fin. Parce que du coup, sur le chemin, je peux en faire 4-5 et tuer des gens. Mais là, je les pèse comment? Genre, je les fais attaquer des parosaures. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je veux des flèches narcotiques dans la mesure du possible. Non, t'auras pas ça. Ah, non! Ok. Oh, est-ce que j'en ai un petit peu? Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va mettre ça. On va mettre ça là. Lance-pierre, ça nous sert à rien. Je vais lancer des tenues pour que si jamais ils ont pas eu toute leur tenue, c'est moi qui régale. Et on va repartir sur la même, hein, je crois. Hein. Allez. Est-ce qu'il va sortir sur PS4? Ouais, normalement, Switch, PS4. Putain, mais ils vont tous dans ma direction, quoi, là? C'est moi tranquille, là, hein? Normalement, ouais, Switch, PS4 et Xbox, ça sortira dessus. C'est ce qui a été annoncé, c'est ce qui a re-hypé le truc. Oh, vas-y, il est parti prendre mon spot, celui-là. Tant pis, je vais prendre mon autre spot. Tant pis, tant pis. Tac. À quelle époque c'est Q? 2016. Bah si, du coup t'as dû voir des vidéos sur YouTube normalement, on en a fait plein 2016 hein, sur... Depuis. Normalement y'a pas encore eu des dégâts de chute. Ouais c'est long. Le full singe comme avant, en vrai c'est viable. Ça pourrait être viable, mais il fallait pas que je fasse ce cert là dans ce cas là. Il a fallu que je parte direction Deki Spot en volant et que j'aille du coup direction à gauche du volcan dans cette zone là. Donc là c'est trop tard. Là si j'allais faire du full singe, je perdrais trop de temps. Donc on va faire le classico Missy, Shitin, Pal. Si à l'occasion de récupérer de l'oil et l'œil du cristal, on le fera. Oh, le Harvest Bounty là qui régale. Tac. Ouais, en fait, au début, mais ça c'est pas dans le mode de jeu de base. Il y a des boss qu'on peut tame là, mais lui a que pendant très peu de temps. Et comme on a pas le droit de se PVP avant la fin, bah du coup, ça sert à rien de les faire. Dans l'idée, en fait, tu fais les boss et souvent tu pries fort pour que du coup il y ait des trucs qui détectent les joueurs. Et merde. Trop lourd. Non, c'est bon. Et du coup après tu vas aller chercher quoi, avec ton boss pendant genre je sais pas, je dis une connerie 10 minutes tu vois. Après dans une game standard il y a 20-25 joueurs, voire 30 joueurs. Du coup ce que tu fais en général c'est que si même si t'as pas l'événement qui te révèle les joueurs, donc l'événement qui les lasers qui leur spawnent dessus, ce que tu fais en général c'est tu vas dans les zones habituelles où les mecs vont tech. On appelle tech, c'est la mécanique d'aller dans une zone, faire du métal. Donc les plus connus vont être Deki Spot, Bronto Hill, Volcan, Foufoun, Chaleur, 3 cailloux, 4 cailloux. Je t'ai listé du coup les noms génériques qui étaient utilisés à l'époque. Maintenant j'imagine que à la sortie du jeu tout le monde n'utilisera pas ces noms là. Malheureusement c'est les noms que moi j'utilise. Hop hop.
Ouais, je suis un peu lourdingue. Hop, on va jeter ça, tant pis. On va pexer, il me faut du level. Je pexe en tapant un petit arbre, j'ai du métal, vous avez vu juste là. Je crois que c'était des trucs qui étaient jetés au sol. Donc on va se faire ça, on a quelques flèches, on va continuer de monter le poids évidemment. Ok, ça devrait être suffisant pour la suite des opérations. Putain, je suis toujours très lourd. Hein. Attends, j'ai tellement de baies. Hop. Les anciens, ouais. Donc on verra ce que ça donnera. Hein. Après, chacun utilise son jargon. Hein. Chacun utilise le jargon qu'il veut. Ah, je suis vraiment si lourd que ça? Ah, tu m'étonnes aussi. J'ai trop de bois. On a autant de flèches, en vrai j'en ai fait beaucoup trop, là je perds trop de temps. Hop, on va faire ça. Il me faut ma peau. Complètement oublié. C'est un petit peu important. Ok. Hop, putain mais chaud, qu'est-ce qui se passe là? Je suis pas... Donne ta peau toi Kiki. Oh bah super. Comment je dépeuse toi maintenant? Et dans l'arbre. Je crois que les boss, je sais plus que. Ça dépend des. Il y a plusieurs parties, c'est différentes manières les times. Là c'est classico, tu mets de la viande dans leur bide et tu le times comme ça, ouais j'ai même plus assez de peau, ok super. C'est pas très. Ils sont pas agressifs quand tu viens. Ah! Non, donc c'est pas celui-là. Ok. J'ai l'impression qu'ils ont pas de kératine. Hein. C'est bizarre, j'ai mis quasiment toutes mes flèches dans la kératine et ça l'a tué assez rapidement quand même. Et je sais pas si ce sera gratuit, Gaik, mais il n'y a pas de raison que ce soit pas gratuit, je pense. C'est à l'époque il était gratuit, donc pourquoi est-ce qu'il rendrait payant maintenant? Je pense que c'est une petite mise en bouche pour faire patienter pour Arc 2 quoi. C'est que mon avis, hein. Moi je pense pas qu'il sera payant. Maintenant on n'est pas à l'abri qu'ils sortent un truc, mais Arc ça a jamais été leur politique de sortir du contenu payant à part les DLC. Ils n'ont jamais rien sorti d'ailleurs de payant sur Arc à part les DLC donc... Pourquoi est-ce qu'ils le feraient maintenant? Ouais, peut-être pas tirer maintenant, j'ai pas de sam pour les courir après. J'aime bien les taper dans les bois là, parce que souvent ils se kélo du coup, c'est moins chiant d'aller leur courir après. Ok, j'ai ma petite peau. Peau. On va se faire un peu de pierre. Il m'en faut une centaine. Aurais-je assez pour tout porter? Non, il y a beaucoup de joueurs qui étaient bons, mais les meilleurs joueurs n'étaient ni youtubeurs ni streamers, les gars. Croyez-moi. Les meilleurs joueurs. Et évidemment, les youtubeurs étaient très forts au jeu. Encore plus forts que les streamers, les youtubeurs, bah évidemment. Mesdames et messieurs, je crois qu'il s'agit ici d'un seul... Ch'tididi, le T2, il est 45. Get le celui-là, ouais. D'ailleurs, Ch'tididi, tu l'as encore la photo qu'on a faite ensemble à la PJW, j'espère. Hop. Je crois que tu me l'avais envoyé, d'ailleurs. À un moment donné. Hop. Petit passage rapide pour saluer toute la shit army. Merci Ch'tididi Douille. Bisous ton piston. T2 les gars, 45 fois de T2, c'est insane. Hein. Faut pas hésiter hein. À bombarder les GG, etc. Hein. On va préparer les feux de camp. Ah, on est en AMS famine ou quoi? Non. Bon. Merci beaucoup. Mais du coup, ouais, évidemment. Les youtubeurs beaucoup plus forts que les streamers. C'est bien connu. Parce qu'ils bêtent toute leur game. Évidemment. Hop là. Tac tac. Pas mis assez de bois en vrai. Hop. Salut Ethan. Pas assez.
Alors certains sont peut-être un peu choqués. C'était quoi les veines qui viennent paper? Quelqu'un pourrait me dire s'il vous plaît? C'était Overlord ou pas? Dans quel cas, faut absolument que j'y aille. Le smithy, le smithy, le smithy. J'ai pas le level encore pour le smithy. Ah ouais, ah ouais. Non, c'est double timing. Ok, merci. Hop, hop, hop. Normalement, c'est 35 de pierre, un truc comme ça. 25. J'ai débloqué le smithy. Merci. Voilà. Normalement, j'aurai un de métal dorable. Deux. Ok, parfait. Suffisamment pour faire ma pioche. J'ai pas envie d'utiliser ma pioche en pierre. Pour farmer le métal, évidemment, vous avez compris. Le but, c'est de rentabiliser la veine à un maximum. Tac. Tac. Du coup, je disais, pour ceux qui ont remarqué, les tracks donnent de la prime sur ce mode-là. Contrairement à normalement. Et au même titre que on peut faire des flèches narcotiques avec des narcoberries. Et il ne faut pas faire de narcotiques. Au tout début du mode, ils l'ont retiré. Et ça favorise beaucoup mieux beaucoup plus... la fluidité du jeu. Tac. Mettre ça là. Mettre ça là. Il va manquer de la chitine par contre. Ça va être un réel problème. T'as déjà un groupe pour Dark and Darker. Sinon tu vas venir avec moi. Je vais commencer solo et après si tu veux on peut se faire un groupe. Ouais, Tali. Je crois qu'il y a peut-être. Il y a sûrement Moutou qui va me rejoindre aussi. Mais j'ai ouï dire qu'apparemment tu rageais beaucoup. Je sais pas pourquoi mon petit doigt, mes informateurs. Apparemment c'était trop dur pour toi. Alors, après c'est mon petit doigt, hein, tu sais, parfois il dit des bêtises. Merci encore Draco, bonne soirée à toi. T'as été fou dingo. Bon il me faut du kératine. On a chétine plutôt. Trouver insecte. Pas dodo, insecte. Merci encore Draco. Et bonsoir à toi, Ethan Roche et Ethan tout court. Enfin, Ethan 44. Il n'y a pas d'insectes. C'est vraiment ma vie, ça. Il n'y a pas d'insectes, les gars. Peut-être qu'il manque un trike, on aura un trike. Ça me frustre. Bah faut pas jouer ça te frustre. Tu perds du stuff, c'est comme ça. Je connais mon petit doigt, bah dis donc. Predator Knight. Faire attention à ça. C'est juste que les prédateurs vous aggrottent plus loin, mais en vrai... Ça n'était pas, je crois, Predator Knight sur le saut TF de base avant. Enfin, je crois pas. J'ai pas souvenir. Peut-être que j'ai eu de mauvais souvenirs, mais... alors, on va préparer des forges, hein. Tant pis, avec un peu de chance on aura un petit swarm, sinon on devra trouver nous-mêmes notre chitine en parcourant ce vaste monde. Merci encore ici Shinidi évidemment, pour tes 45 fucking months. Est-ce que j'ai assez? Donc un peu de fibre, ok. Ouais, pas souvenir non plus. Il y avait le switch jour... Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Et mais du coup, normalement, par contre, j'ai assez pour faire le medkit, normalement. Là. Medkit, vous m'avez compris, quoi. Hop, hop, hop. Alors, en général, il vaut mieux taper les petits arbres que les gros arbres hein, en PVP sur une vraie partie. Le but étant de faire le moins de diminuer les chances de vous faire repérer. Ok. Mais ce genre de partie, vous pouvez oser faire un petit peu. Mince. Ouais, c'est ouf hein, en vrai quand tu penses Shidi. Et je crois qu'il n'y a pas encore une mort hein. C'est beau. Pas de mort PVE. C'est beau. Je suis fier d'eux. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une game en mourant du PVE. Tiens, ça me pensait. Ça va m'arriver à cette game, je vais prendre mon karma. On va faire ça, on va faire ça, on va récupérer ça. On va faire la troisième fourge. Hop.
Ok, normalement on devrait avoir assez ou pas encore. Non, j'ai pas assez pour faire le mortar. Le mortar. Ah, j'ai pas récupéré de gourde, je crois, au centre. C'est rare. Ça, ça met mal, par contre. Ouais. Il va falloir que je bouffe des baies. Tant pis, on se démerde. Hop. Comment j'ai... On va mettre ça ici. Ok, les trois forges, normalement, ont du métal qui fond. 200 ici, 132 ici. 100 et quelques ici. Là, il y a du charcoal qui se fait. On va les vagabonder, je pense, chez notre chitine. On n'a pas le choix. Y tenter. Il y en a... On va juste faire de la peau sur nous. Ouais. Ah! Bah voilà. J'espérais que ça arrive. C'est arrivé. Merci le bon dieu des Meganera. Ça va me faire gagner un peu de temps. On est là tous. Voilà. En plus, ça donne de l'XP. C'est good. Voilà. On pourrait le faire avec la hache pour récupérer plus de chitine. Mais je ne compte pas en avoir non plus un milliard. Il m'en faut pas non plus un milliard. Avec la hache en métal, je parle. Quand même, il n'y a pas plus. Bah écoute. Ça par contre c'est plutôt cool d'avoir... Voilà. Une petite pluie. On va en profiter pour me faire quelques gourdasses. On va se faire quelques talis, tiens. Trois talis. Hero Jumper. Ok. Alors, comment on se la joue? Là, ça fond. J'ai fait mon mortar ou pas, du coup? Je l'ai pas fait, mon mortar. Je sais pas si je l'ai fait ou pas. Non, je l'ai pas fait, je crois. Hop, hop, hop. On verra si on se fait une doublure. Ouais, la vérité, on peut clairement se faire une doublure. Ah, c'est con. Tout à l'heure, j'avais ce qu'il fallait pour faire le Fabri, quoi. Est-ce que je fais un aller-retour Fabri? En vrai, ce serait pas déconnant, hein. Un aller-retour Fabri. Hop, on fait ça. On se vide un max. Ok. On va au moins se faire une arba. On va se faire un petit aller-retour Fabri, je pense. Ouais. On va tenter, en tout cas. Il faut juste que je récupère ça et ça. Ok. Normalement, en face de moi, il y a un laser. Ah bah voilà. Avec un peu de chance, il ne dispawn pas devant nous. Parce que moi, j'ai une chatte incroyable avec ça. Allez, allez. Allez, allez. Ah non, c'est un joueur. Un joueur qui est volcan. Il n'y a rien. Ah, oh, j'ai le seum, il n'y a aucun airdrop dans le coin. Si là-bas, il y en a un. Oh, il est tellement loin. Je sais pas si j'ai le temps d'y aller. C'est celui qui est dans l'eau en plus, celui-là, je crois. Ok, il est encore là-bas, lui. Parce que normalement, il y a de l'huile. Hein. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas le cristal. En fait, il y a de l'huile qui est dans l'eau là devant moi. Mais si j'ai pas le cristal, c'est mort en fait. Après, il faut que je remonte derrière pour. Si j'avais des flèches narco, je... ouais, j'en ai 16. Tenter le spino. Il risque de se faire plomber, mais... je sais pas si ça vaut le coup. Tu me dirais, il me reste encore 30 minutes. On tente le spino, ça changera un peu. Allez, on va le faire pour changer un petit peu. C'est vrai qu'on fait un peu souvent la même strat, celle qui nous paraît le plus stable en termes de stats. Ah, il y en a deux même. Oh, est-ce que j'aurais assez de flèches pour faire les deux? Si j'y vais à l'arba, il y a moyen.
problème, c'est qu'il risque de mourir, sauf si je le fais fuir. Ah, je pense qu'il va mourir malheureusement. Parce qu'eux vont désaggro. Il faudrait qu'il tape plus. Ça, il va reset l'aggro des... Ah, il a retapé. Ah, je pense qu'il va mourir. Oh, il s'est fait empaler et tout. Ouais, je pense que ça sert à rien. On va faire celui d'à côté. Après, il était assez low life vu qu'il a fui assez rapidement. Ça, on va récupérer. C'est super fort sur la fin. Ça donne une bonne regen. Ça stabilise. C'est tout sur le shrink. En plus, j'étais parti pour un laser qui n'était pas un laser, encore une fois. Donc, au pire des cas. Pas de regret. On va tenter ce spino. Oh non 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 non. Je me fais empoisonner maintenant vraiment. En fait l'empoisonnement c'est... Enfin c'est l'empoisonnement qui me fait chier. C'est qu'en gros si jamais je dois kiter après, ça va me pomper toute ma stam si je me fais empoisonner direct. Ça va être très chiant vraiment. Vraiment 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 pas maintenant. Genre vraiment vraiment cassez-vous. Ok j'ai eu de la chance, il a été occupé avec les parosaures là. Vous avez vu le debuff en bas à droite là? Ça, ça veut dire que ma stam remonte très difficilement quoi. Voir j'en perds. Ok, lui il fait dodo. Maintenant il va falloir que je trouve de la prime. Ah! Je vois qu'il y a l'overlord. Non, pas le raptor, level 26 qui me glitch en plus. Ok, c'est bon. Il me faut un trike pour lui remplir le bit de prime. Il faut que je lui fasse manger une ligne de... Ah ouais, j'aurais bien voulu aller récupérer l'airdrop là-bas, mais il est vachement loin en vrai. C'est dommage que normalement, il y en a un qui peut spawn là dans l'eau. Pas de chance. On va faire 100, tant pis. Hein. Il me faut un trike rapidement. Un trike ou un stego. Après, il y a les stego d'à côté. Ah, attendez, peut-être qu'il a. Peut-être que le stego. Bah, je pense que les piranhas ont dû le finir. Moi, pour bien faire, j'aurais fait les stego aussi, les deux stego de gauche. Mais j'ai la flemme, ça va me faire riège de les remonter. Mais par contre, je pourrais checker. Si ça se trouve, le spino est mort sur la berge et s'est pas fait dépecer, peut-être. Peut-être. Hop. Hop. J'en profite, je sais que j'ai vu que j'avais faim en bas à droite, du coup je pompe mon sang avant de manger ma viande. Enfin, moi j'ai mes PV après. Ah, bien vu, chicha! Stego trop chiant, trop long à buter en vrai, Ethan, je trouve. J'aurais mieux fait, j'ai justement un trike, mais finalement j'ai même mieux. J'ai un petit spino mort là. Que demande le peuple? J'aurais même le faire en deux fois en vrai pour être petit. Ce que je veux dire, c'est en gros, je dépece la moitié, je mets la prime, je laisse comme ça. Mais j'ai peur qu'il y ait genre un mob qui passe et qu'il dépece. Le truc, c'est qu'il va vite falloir que je lui mette de... Ça, c'est la grosse difficulté dans le spino de ce mode de jeu, c'est que c'est que des spinos bas level. Sur ce mode de jeu. Et donc, il se réveille très très vite. Donc, il va vous falloir vraiment beaucoup de narcos pour les garder endormis en vrai. Donc, que je vais garder la viande, enfin, je pourrais le force feed. Allez, on va partir du principe qu'on fait le stego, qu'on fait le spino. Et derrière, on remonte avec, on retourne à notre spot d'avant, on récupère le métal qu'a fondu, on se craft notre sniper. Et on y va avec. Il faut que je fasse pex un petit peu avant. Le problème du spino, c'est que c'est très très fragile en vrai par rapport au rec, je trouve. Enfin, c'est plus ou moins similaire. Le problème, c'est qu'il s'endort très vite niveau stam, et il se couche, il s'endort très très vite quand tu fais le kéké avec. Et il est quel level? En plus il est... Et quel level? Fais gaffe sans level. Ouais, level 4 en plus. Hein. Ça va pas être foufou. Hein. J'ai un peu de prime à récupérer là. Ça fait long hein, d'aller chercher ça là-bas. Ouais. Oh tant pis. J'ai pas marqué depuis tout à l'heure, on a une musique d'ambiance qui nous suit. J'avais pas fait gaffe.
Allez, Narco Berry. On va le traquer pour voir où est-ce qu'il en est. Ah, quand même à 15% déjà. Je tame autre chose aussi en parallèle. En général, c'est nul de faire qu'un seul tame. Hein. Mais là, je... En fait, ce qui fait chier, c'est qu'il va aller boire, monter et tout. Et tous mes times, ça va être chiant. En fait, c'est juste une question de flemme. C'est pas une question de donner toutes les chances pour la fin. C'est une question de flemme de devoir... J'aurais dû lui mettre toute la prime. De devoir monter après les mobs, tu vois. Les deux Stego là-bas, en vrai, ça aurait été ouf de les faire. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Parce que je vais mal remonter à mon spot, il risque de se réveiller. Peut-être un raptor, une connerie, un truc qui se déplace assez vite. Et qui est facile à déplacer, tu vois. Là j'ai un trait que je tuerai sur la fin pour reset la prime. Vraiment là. Le problème c'est que là-bas, l'airdrop rouge, là, il est beaucoup trop loin pour que j'aille le faire et... Mais what the fuck, une Akatina. Et un challenge de gagner avec un Akatina. Un challenge de fou en vrai. Tu fais le dernier kill, enfin le dernier hit avec un Akatina. Oh, il y a un Spino là-bas. Ah. Dans les airdrops, il y a un peu de stuff, des sous, et notamment l'huile. Qui peut être précieux pour pouvoir faire ton fabricator. C'est dans ce mode de jeu-là. Le fabricator se fait que... aïe. Se fait que au fabri... Il se fait pas au... avant, c'est comme ça sur Arc. Ok, j'aimerais bien étonner l'aggro sur les trucs à côté si c'est possible. Voilà. Oh non 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 Meganoura. Oh deux Spino en vrai. Ok, dodo, réussi. Le problème c'est qu'il va falloir que j'assume la torpeur de deux. Chaud, aïe. Bon. C'est la torpeur qui me fait chier, c'est pas la bouffe. J'ai vu qu'il y avait du travail encore ici, je vais m'en faire un. Même si je crois qu'ils sont un peu côte à côte, ça va être un peu chiant, du coup il va falloir que je tue les deux. J'ai pas le choix. Je sais combien de flèches ça va le faire. Au pire je vais les laisser en mode... Oh non 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 non. En fait j'ai pas envie de prendre la charge du trike en fait, qui va me stun et derrière je vais me faire démolir. On va essayer de les kiter dans les... Dans les arbres. Oh, en plus ils ont le buff. À cause du Spino à côté. Pas la charge. Ok, un mort. J'ai rien pour réparer, super. S'il pouvait se calmer, ce serait parfait en vrai. Je vais essayer de laisser se calmer. Comme ça me fera de la prime pour après. Ok. T'as un drop qui est apparu pas loin du deuxième. Ah ouais, celui-là il est pas loin pour le coup. En vrai, celui-là il se tenterait peut-être. Mais il me faudrait. Lâche-moi! Lâche-moi à un moment donné! Lâche-moi! Ah, j'ai plus erreur de stam. Il va falloir que j'aille voir l'autre très rapidement. En fait, j'ai pas envie de le tuer, je préfère le garder vivant, ça me fait de la prime presse sur place. Normalement, il devrait se calmer au bout d'un moment, mais j'ai l'impression que. Ah merde. Je crois qu'il s'est calmé, non? Il faut vraiment que j'aille checker l'autre, il risque de se réveiller. Oh, il revient à la charge, là, je le vois, là. Je vais t'en lui mettre quelques narcos. Bon, il va falloir que je le bute, tant pis.
Ça, il va me casser les pieds. Et j'ai pas beaucoup de stam. Le but pas, c'est ma viande sur pâte. C'est du loin, invincible. Ok. J'ai peur qu'il se réveille, genre vraiment. Il faut des narcos, au moins un tout petit peu, pour lui en mettre dans le gosier. Oh, deux spino, ça peut être beau. Comment il va, Venom? Et attaque d'escargot? Bah oui, ça attaque l'escargot. A mon avis, ça doit pas être fou, mais... Alors ça, vous avez vu les veines qui viennent popper. On n'a pas le droit de l'utiliser. C'est des grenades. Pourquoi j'ai mis ça? En vrai, il est pas trop mal niveau timing. Qu'est-ce qu'il fait là, lui, le kiki? Bon, qui m'embête. J'ai checké l'autre. En vrai, je pense que là, il faut que je me concentre sur les deux spinos. Si je veux réussir à faire mes deux spinos, on va essayer de jouer avec ça. Hein. Faut juste beaucoup de narcos. Vas-y, je vais en mettre 35 dans le gosier. Il devrait être à peu près clean pour la suite. Ah, j'aurais... Il devrait se tame tout seul maintenant. Ah, c'est vrai que l'airdrop en passe. En fait, dans le jeu, t'as envie de faire trop de choses. Et c'est un coup à... À louper, en fait. Vaut mieux faire pas trop de choses. Mais au moins les faire jusqu'au bout. Si vous voyez ce que je veux dire. Que de partir sur 1000 trucs. Ça peut se tenter, hein. Partir sur 1000 trucs, c'est qui tout double. Mais en gros, là, ça voudrait dire quoi? C'est partir à l'airdrop là-bas. Récupérer du coup ce qu'il me faut pour faire mon fabri, pour faire ma tenue en métal. En remontant sur la fin. À tout moment sur le chemin, il y a un mob qui attaque mes spinos. Ou... Mais est-ce que les switches seront avec les switches ou tout le monde se raconte tous? Normalement, ce sera cross-platform Ethan, donc j'imagine que tout le monde pourra jouer avec tout le monde. Donc Switch contre PS4, contre Xbox, contre PC, tout au même endroit. C'est ce qui a été annoncé. Alors après, comment ils vont le respecter, ça je sais pas, mais... C'est une femelle, ok, on a un couple. Par contre, celui-là va être long à tame, hein. Faudrait qu'on ait un event double tame, là, serait parfait. Parce que celui-là... Il était quel d'ailleurs, j'ai pas fait gaffe. Level 9 quand même, ok. Level 30, level max. Après, le truc, c'est qu'Ethan, je préfère pas me prononcer, tu sais, c'est Arc, c'est... parfois, il t'annonce des trucs et c'est pas tout à fait le truc réel. Normalement, le 23, il y a un truc qui sort, voilà. Et pour console, c'est en janvier. Enfin, c'est en janvier, c'est en début d'année 2023. On va dire janvier, sinon... Normalement, il restait encore un cadavre de Trike ici. Il est où? Il a été dépecé ou pas?
Bonjour monsieur le cheval. Ah non, c'est pas un cheval. Il est où mon trike? Ah, c'est possible qu'il est périmé. Deg. Je vais réinitialiser ma prime. 23 décembre, c'est bon. 23. Moyen. Ah, c'est I love you, I love you, je suis deg. Là, ça m'inquiète, c'est le temps. Il me reste 14 minutes, ça va être très ric-rac. Autant il y en a un, il va se tame, le deuxième, ça va être très long. En fait, s'il n'y a pas un double tame, je pense que j'aurai pas le temps. Non, il y en avait deux des tracks. Il y en a un que j'ai fini, mais il y en avait un que j'avais tué avant. Celui que j'ai fini, c'est le deuxième que j'avais tué. Il faut suivre. Et je l'avais pas fini le premier. Je l'ai revu le cadavre, mais... Tu me dis, il y a un trek là-bas, là, en face. T'as eu la torpeur. En vrai, 11 devrait suffire pour la fin. Ah, le arc 2 Harvest Bounty, malheureusement, c'est pas un double tame. C'est quand on les veut qu'on les a, pas les double tame. Bah, j'aurais bien poule là-bas, mais l'arbat, je me sens pas trop chaud. Au niveau torpeur, on est bien sur lui. C'est au niveau de timing qu'on est pas super bien. On va essayer de poule lui, là, à mon avis. C'est compliqué à cette distance. J'aime bien ce coin-là, hein. Pour time du Rex et du Spino, c'est super cool, le coin là-bas devant moi. J'entends un raptor. Bah, il est là. Mais lol. Si je veux, je peux récupérer un parosaur ici. MDR. Ouais, le time. Un petit track là. Parfait. Il y en a un qui est quasiment tame. Il me reste 10 minutes, ça va être chaud. Je crois qu'il y avait des Meganora qui m'ont le dépecé, mais bon, tant pis. C'est ça que je dépasse en entier de toute façon. Allez Kiki, je compte sur toi. Oula, lui il est auto-réveillé là, faut que je fasse attention. Je vais mettre quelques narcos, il est sur la fin. En vrai, je vais sûrement faire ce spino là, je vais remonter à la base. Et je pourrais voir, je vais mettre un gros coup de rail de narco à celui-là. Mais je pense que sinon j'aurais pas de... Malheureusement on n'a pas eu la race bounty, enfin le timing, le boost timing. Il y a ces deux primes qui devraient suffire, normalement encore une, il devrait être bon je pense. Parce que sinon j'aurais pas le temps pour faire mon snipe. Ça me prendra pas beaucoup de temps, hein. Ça me prendra je pense 3 minutes. J'ai déjà le snipe, ou juste que je fasse des balles et un pistolet et juste que je transforme la gunpo. Mais ça va être trop ric-rac je pense. Donc à la limite je vais me préparer une grosse rail. Sauf que je parle de rail de coke, t'sais. Non, ce n'est pas une rail de coke, me bannissez pas Twitch. Je parle de rail de narcotique. Tac tac tac. Ok. C'est la même. Oh, mais tous les événements que je veux pas là par contre. Ouh. Alors peut-être, non je vous en parlais juste avant, il y avait du coup potentiellement un airdrop qui tombe là, il y en a un qui est devant moi. Ah, j'aurais jamais le temps quand même en rentrant je pense. Ou alors j'abandonne la net de Spino quoi. Une grosse rail là et puis go hein. On remonte un centre, je vais récupérer l'huile.
Ah mais je pense que même avec une grosse raille, il se t'aimera pas malheureusement. C'est trop long. Il y a un monde où il y a un double timing. Hein. Bon allez, Inch'Allah, tu te démerdes. J'ai fait manger une prime, ça c'est une connerie je crois. Parce que du coup ça va diminuer sa vitesse de tame. Hop là. Ok, lui il est tame. Ça c'est cool. Et Kiki. Je sais, t'as pas beaucoup de stam, je suis lourd pour toi, blablabla. On va pêcher quelques trucs. Mais un double drop! Qu'est-ce que j'attends? Je pexe avec, faut que je te vise des trucs à péter. On peut taper quelques arbres, ça donne un peu de pexing. Attends, mais. Il a pas la deuxième attaque. Non, il a pas la deuxième attaque, je me disais. Là, si je vais taper les spinos, je me fais démolir. Ah, il y a peut-être un trike ici à bouffer. Je sais que c'est un peu. Donc ça tombe. Il me reste tellement peu de temps. Pense à mes gourdes. Ouais, j'avoue. Pas bête. Molio. Merci. Monsieur Molio. Bienvenue à toi. Bon, la fois que tu papotes dans le chat, viens là, toi. Est-ce que j'arrive à me le faire au moins le trike? Ou est-ce que je me fais péter? Regardez ma stam. Regardez la stam de mon spino. Attends. Vas-y, bute-le. Voilà. Parce que le problème, c'est que là, mon spino, si je tapais encore trop, regardez sa torpeur. Ok, j'ai trop fait le kéké avec, là. Quand t'as pas de stam et que tu tapes avec un spino, c'est affreux. Je pense que je vais le jouer en sifflement, je pense. Hein. Regardez, un truc de fou quand même. Je peux même pas me déplacer avec, quoi. Vas-y, mange des... Remonte ta torpeur, la wesh. Ce qui en soi est con, parce que ici, il y avait tout ce qu'il me fallait, là. Il n'y a pas les souplettes. Il y en a un deuxième, non? Aïe, oui, aïe. Spino, protège-moi, je vais me faire un bolibloc. Aïe. Allez, bute-moi tout ça. C'est des poissons, c'est ta cam. Putain, mais mec. Je n'ai plus de stam et je fais zéro dégâts. Oh, c'est trop chiant. C'est Spino, je trouve ça affreux. Juste pour ça. Hein. Tu tapes trois fois, t'as pas de stam. Et là, je touche même pas en plus. Comment j'aime la jouer. J'ai pas pris le cristal, donc on peut oublier le... Ouais, on va oublier, tant pis. Allez, on remonte. Au moins, j'ai pris quoi? Il y a même pas de soupe. Vu le temps qu'il m'était imparti, ça va être compliqué. Quoique, en vrai, c'est jouable. Hein. Ah ouais, je fais que des mauvaises décisions. Par contre, les gars, je suis désolé, j'aurais dû prendre le cristal avec. J'ai oublié de le prendre, du coup, je pourrais pas faire le... Est-ce que j'aurai le temps? Le wall arrive là. Allez, qui a peur est un peu heureux, on tente. Oh, ça c'est les soupes, j'ai bien fait d'y retourner. Et le cristal. La petite âme. Au moins j'ai les soupes. Ok, fais-toi tabasser, je suis un peu lourd. Hein. Je pense que c'est mort pour l'autre spino, mais c'est pas grave en soi. Allez, s'il te plaît, avance, 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 avance. Allez, viens. Non, tu commences pas, eh. Là, il faut qu'on rush, là, maintenant. L'autre spino, bah écoutez, Inch'Allah, s'il arrive à Stem nous rejoindre... Je pourrais peut-être attendre, hein, en vrai. Mais dans ce cas, je peux oublier le reste, quoi.
Allez, viens, Kiki. Normalement, tu devrais... Ouais, t'es supposé écraser les arbres. Allez, maintenant, on court, hein. Je te le dis. Merde, je suis bloqué par quoi? En vrai, ce spi-là, il va juste se faire planter à la fin en deux spi. Faut vraiment que je tarde le plus possible avant de... C'est par là. Tu passes là ou pas? Vas-y, j'ai pas le temps pour toi, je te récupérerai après. Oh non, pas ça maintenant là. Ok. 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 On y croit. On y croit. Dingue. 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 Ok. Tac. Le cristal. Tac. Normalement ici. On a ça. Il me manque la cementing. J'oublie pas la cementing. Il m'en faut 15. Et le métal. Ok. 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 Il me faut de la pierre, il me faut de la pierre, il me faut de la pierre, 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 pierre. J'en ai pas assez, vite, 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 vite. Et ok, 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 où est ma hache, où est ma hache, allez la ma hache. T'inquiète. Ok. Ok, ça c'est bon. Dommage, j'ai perdu du temps du coup sur le deuxième spino. Erreur de décision, j'aurais dû pas dû faire le deuxième spino. J'ai mal évalué le temps qu'il allait me falloir pour le faire. Ok. Métal. Métal. Huile. Enfin, gasoline. Métal. Je suis loin. Ok. Tac. Tac. Ok. Et un fort des balles. En vrai, c'était cool, c'était ballsy hein, de faire ce que je viens de faire, hein, en vrai de vrai. Ok. Turn on. Ok, ça c'est parti. Ensuite, là, il me faudrait plus de gunpo. On va attendre que ça se termine. Ok, j'ai full soupe, ça c'est cool. Hop, on va pouvoir tèche l'ancien bouclier. On va faire une prise de sang. Monter mes points de vie. J'ai ça en plus. J'ai pas fait de gourdasse, tant pis pour moi. J'ai deux petits fonds de gourdasse avec un peu de chance qu'il va pleuvoir. Tant me l'a dit dans le chat. Mais j'ai préféré donner priorité à autre chose. Ok, ok, il reste encore un peu de métal. Hop, on va faire ça. Ok. Et full pal. Ah ouais, on n'aura pas assez. Allez, allez, allez. Il y a la zone qui arrive. 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 Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Je prends des dégâts. Allez. Bonjour. Ouais, ça ira. Je prends trop cher. Vite, vite, vite. Parce qu'il faut encore que je monte et tout, hein. Ok, ok, est-ce que j'ai tout sur moi? Dis-moi que j'ai mon sniper. J'ai oublié mon sniper. J'ai pas mon sniper. Oh là, oh la resse. C'était la game d'avant que j'avais mon sniper avec moi. C'est pas là, je l'ai pas crafté. Non! J'ai qu'un pistolet tout pourri et 20 balles. Ah, oh, c'est la merde. Ah, la misplay. J'aurais dû faire plus de balles du coup. Ok, c'était la game d'avant que j'avais. Je pensais que j'avais déjà le sniper sur moi. J'ai pas fait le fusil. Ça va être très compliqué, les gars. Ça va être très, très, très compliqué parce que du coup. Là, j'ai pas d'armes. Bon. Déjà, il faut que je run. J'ai une flaque. Putain, le mystère, parce que j'avais ce qu'il fallait hein, pour le faire, en plus. Le. Et j'ai pris mid-life pour ça, en plus.
Ouais, ça va être très compliqué là. En plus, j'ai à peine quelques flèches. Ouais, ça va être très compliqué. Viens là, Spinou. Et on va faire ça. Ah, j'ai même pas de steam si j'ai des steam. Wow. Je suis tellement lourd pour le kiki en plus. Ok, il faut que j'aille trouver un mec qui a un sniper et réussir à le bouffer. Ok, ça va vraiment être un problème par contre. Il y a un mec là-bas. Allez, allonge-toi! Oh, mais putain, ça me fout le seum. Je me prends une balle parce qu'il faut 1000 ans pour s'allonger. Et je sais même plus pourquoi je voulais m'allonger. C'était pourquoi déjà? Je sais même plus. Fait que je m'allonge pour un truc et j'ai oublié. Tant pis. Allez, pour me faire une raille. Là, l'eau va être compliquée. Il me faut une petite pluie. Est-ce que ce serait possible de retirer ça? Le mec qui se fight là, on va essayer d'en profiter. J'ai très peu de balles. Hein. Ah, le salaud. Yeah, il est monté sur son stego instant. Putain, je l'avais pas vu en plus le type. Tu devrais pas venir me voir. Ok, très bien. Tu vas venir me voir avec ton stego. Ah, il reste sur son stego. C'est ce que j'avais dit la dernière fois. Je vous avais dit, c'est trop fort. Et que je l'avais pas fait. Oh, j'ai vraiment touché un track là. Ah non, c'est eux. D'accord, ok. C'est pour ça que je jouais pas, moi, le fait de monter sur un stego. Bon, malheureusement. Ah, mais je prends trop cher ici. Mon Spino. Il est encore dessus, Jean-Mich-Mich, là. Ouais. Ah, malheureusement. Stego, ce genre de mode, c'est pour ça que la dernière fois, je l'ai pas fait, que je suis pas monté sur mon stego. Je vous montre. Là, c'est une démonstration, tu peux rien faire, je peux pas le toucher. Donc, je fais quoi? Genre, il peut me mettre des balles sans même que je puisse le taper dessus. Et en plus, il pleut sa mère. Faut que je regène tranquillement. Et mon armure se fait dégomme en plus actuellement. Faut que je mette une chitine. Parce que là, sinon, j'aurai plus d'armure après. J'ai 5 balles. Le problème, c'est qu'il y a Monsieur Stego qui est là. Je pense que pour le mode, j'espère qu'ils vont pas laisser les Stego comme ça parce que... Je crois qu'ils l'ont poussé, non? Faut pas que je loupe mes balles. Encore une balle. Il se cache, elle a raison. Ah, il y a le sniper. C'est moi qui me fais charger là? En fait, moi, ce qu'il faut que je fasse, c'est la fuite. J'ai clairement pas ce qu'il faut pour pouvoir combattre là. À cause de mon misplay de sniper. Je recharge, il me reste 5 balles. J'ai plus de balles.
Le pic, j'ai plus que ça, de toute façon. Il est torse poil. Viens ici, toi, que je te pique. Oh, il a un pompe. Potentiellement un sniper. Il prend combien de flèches? J'ai plus de flèches, j'ai plus qu'un lance. Oh oui, désolé Gomez, il me faut ton arme, il me faut tes balles, il me faut ton sniper, il me faut tout. Je me casse. Oh, c'était Gomez en plus, je l'ai picoré comme un malpropre. Aïe. Y'a Monsieur Stego là. Aïe, 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 aïe. Oh, pauvre Gomez, je suis désolé, mais j'avais pas d'aïe. Y'a encore Monsieur Stego ou pas? Non, c'est pas Monsieur Stego. Enfin, si, ça doit être ancien de Monsieur Stego. Tant pis. Ok, j'ai pas beaucoup de PV, faut que je tempo. J'ai encore ma tenue en flak, j'ai récupéré un sniper, il faut que je prenne mes soupes. C'est juste que les gars, vous êtes mignons, mais prendre des soupes en combat, c'est un coup à justement exactement ce qui vient d'arriver juste avant. J'ai pris un full shot dans le torse, mon torse est pété du coup. Ok. Mettre mes levels aussi, ça peut être pas mal. Mon speed. Ok, il y a l'allosaure qui est là. Ah, il y a monsieur qui est là. Oh, c'est de la merde, en vrai j'aime pas du tout le... Oh, je joue des soupes en fait. Et que je joue la distance. Il arrive au mid je crois. Il a pris sa balle. Il allait pas être bien. T'as croqué wesh. Bonjour. Il a pris sa balle, il a pris deux balles de pistolet. J'arrive pas à l'avoir. Vas-y, fume-les, ça m'arrange. Victoire! C'était le dernier vivant! What the fuck? Aïe aïe aïe! Oh monsieur Sego, je te maudis si tu m'entends. Affreux! GG. Oh pauvre Gomez. Ouais les flèches j'aurais pu les prendre. À la fin j'avais rien, j'avais 20 balles. Je me suis loupé pour ceux qui n'ont pas suivi. J'ai fait un spino sur deux et je pensais avoir mon sniper sur moi en partant. Sauf qu'en fait mais c'est la game d'avant que j'avais déjà mon sniper sur moi. Du coup j'ai oublié de le crafter. Du coup je suis parti avec un petit pistolet et 20 balles. C'est tout ce que j'avais. Du coup, monsieur Stego diabolique. En vrai, les Stego, quand on les joue, nous on les joue en sifflement parce que quand tu montes dessus, mais tu peux pas toucher le rider ou c'est quasiment impossible dans ce TF. Du coup, j'étais en mode, bon bah vas-y, je vais partir à quelqu'un d'autre hein, vu qu'il monte son Stego et qu'il me tire depuis son Stego. Mais GG. Sympa de tuer Gomez, je sais pas, je savais pas qui c'était Gomez, pour, dans tous les cas. J'ai juste vu un mec qui avait potentiellement des armes sur lui et qui était low, à qui j'ai pété le torse. C'est ma proie, hein. J'étais en mode, il me faut une arme, il me faut une arme, il faut que je tue quelqu'un. J'avais pas le choix. Il me fallait des balles, il me fallait des trucs. En vrai, GG Gomez, parce que t'étais en full cheat-in avec triple arme à feu. C'était bien, en vrai. Et tu gagnes avec un dodo. Ah oui, j'avais time un dodo, t'avais time un dodo. Et mon spino, il est mort mon spino, ou les tracks l'ont poussé. Je l'ai abandonné mon spino, j'ai fait, allez, vas-y, c'est bon. En vrai, MDR à la lance. Bah en fait, j'avais rien à la fin. Je sais pas si vous avez vu, j'avais plus de flèches, plus de balles de pistolet, j'avais que la lance. Et il était torse poil et je lui avais pété son bouclier. Et je pouvais qu'y aller qu'en tapant, hein, en espérant qu'il meure. Hein. Et puis...